Bonjour. Bonjour. Tu es étudiant en quatrième année de médecine à Paris 6, Oui. à la Pitié-Salpêtrière. Est-ce que tu peux te rappeler pour nous de l'ambiance de la première année de la PACES? Alors, au début, quand je suis arrivé, effectivement, je savais que c'était un concours assez sélectif en plus. Donc, j'avais un peu peur de l'ambiance qu'il pouvait y avoir entre, on se dit, on va rentrer à la fac, c'est censé être l'ambiance sympa, voilà, les études supérieures. Sauf en médecine, c'est Et différent. là, on se dit, mince, en fait, mon voisin, ça va être mon concurrent, est-ce que ça peut être aussi mon ami? Est-ce que si jamais je l'aide, est-ce qu'il va me piquer des places? Donc ça, c'était là. C'est terrible. Ça, c'est au début, on s'imagine un peu ça, mais en fait, c'est pas du tout comme ça. On ne peut très bien se faire des amis. Et d'ailleurs, j'encourage ceux qui vont faire leur première année à se faire des amis en médecine pour pouvoir travailler avec eux, parce que c'est une année assez dure. Ouais. On a moins de temps de voir ses amis de lycée ou des choses comme, ou même, bah, c'est plus question de sortir faire la fête tous les soirs, de rentrer à 4 heures du matin. Pourtant, il y a plein d'idées reçues là-dessus. On se dit en médecine, les étudiants, en fait, ils sont fous parce qu'ils sont tellement dans le boulot qu'ils ont besoin de se détendre et ils font On des parle fêtes de. de malades, c'est faux? Ah, c'est pour les années d'après, ça. Ah, d'accord. Donc la première année, on est d'abord dans l'ambiance compète et en fait, ça s'en va très vite parce qu'on est tous dans le même bain. Voilà, on est tous dans le même bain. Après, on peut toujours se trouver un rival ou une petite chose Ça, comme ça. c'est comme Mais partout. effectivement, sinon, on trouve des groupes d'amis et c'est pas mal. On se motive, on va travailler bien. Aujourd'hui, on va travailler à la bibliothèque. On y va tous les trois, tous les quatre. Comme ça, on sait qu'on va déjeuner ensemble, on va pas déjeuner tout seul. Parfois, moi, je travaillais tard le soir à la bibliothèque, donc il fallait que j'aie des amis avec qui dîner. C'est pareil, c'est pas drôle de dîner tout seul sur un banc de la Oh fac non. à 21 h. Donc voilà, donc ça permet ça de se motiver. On se motive à plusieurs, on se motive dans l'adversité à plusieurs. Et comme ça, on peut aussi se faire des petites colles, on s'interroge les uns les autres. On s'entraide sur voilà, Voilà. un qui n'a pas bien compris, on. Après, il faut savoir que. Il y en a, on peut pas forcément tous, ça serait magnifique si toute la bande de potes pouvait passer, mais c'est rarement le cas. Il faut se préparer à cette possibilité. Et ça, c'est dur, toi, tu l'as vécu. Toi, tu as réussi à ton concours du premier coup. Voilà, on est une petite dizaine de personnes et on est trois à avoir réussi du premier coup. Il y en a la majorité qui nous a rejoints par la suite, et quelques-uns qui n'ont pas réussi. Mais c'est pas pour autant qu'on s'entend toujours aussi bien. Oui, ça va, j'allais dire, du coup, vous n'êtes pas perdu de vue, ceux qui ont échoué, bon, qui sont dégoûtés, ce qu'on peut comprendre. Du coup, se détachent de vous parce que vous Bah, réussissez et vous. Non, pas du on tout. se voit un peu moins parce qu'ils sont peu, ils sont plus dans la même fac, Bien mais sûr. sinon, non, pas plus que ça. Quand on se voit, c'est toujours, on repart toujours sur les mêmes blagues, sur le même délire. Donc l'ambiance de première année, toi, t'as plu. T'étais bien. Bah, après, c'est sûr qu'il y a plus agréable. Je pense qu'il y a plus Toujours ce agréable. concours au bout Voilà, c'est du ça. C'est tunnel. quand même quelque chose d'assez stressant. J'avais la chance de pas trop ressentir ce stress. Enfin, j'arrivais à le transformer de manière positive, ce stress. Mais je sais qu'il y en a qui mentalement ont un peu plus de mal. Maintenant, tu es en quatrième année. Oui. C'est comment alors la deuxième, la troisième, la quatrième année? C'est une autre ambiance, c'est différent? La deuxième année, on sent vraiment c'est la décompensation. C'est-à-dire qu'on Oh, ça, d'accord. relâche de la première année. Il n'y a plus de concours. On est plus tranquille. On s'assure nos matières. Puis on fait la fête. Voilà. Il y a du travail quand même, on est Il y a du d'accord, hein? travail Parfois, quand on même. est. Il y a du travail quand même. On n'est pas en vacances. Mais on a donc voilà. Là, on découvre notre promotion avec qui on va passer les 5 prochaines années. Et ensuite, dans la partie de la troisième année, à la Pitié en tout cas, on commence à travailler à l'hôpital tous les matins. D'accord. Et donc, du coup, ça demande un effort d'organisation parce qu'on a toujours des examens, mais il faut être tous les matins à l'hôpital. À Plus ça, moitié étudiant, à moitié pratiquant. c'est ça. Voilà, et ça se continue jusqu'à la sixième année. Voilà, ça s'appelle, on est externe des hôpitaux de Paris. Bien écoute, bonne continuation, Émeric. Voilà, Merci. merci.